Après quelques semaines d'absence, Tessier fait son grand retour dans Ici tout commence. Benjamin Baroche, son interprète, promet du lourd dans les intrigues à venir concernant son personnage. Ce soir sur TF1, Tessier, Benjamin Baroche, fera son grand retour à l'Institut Auguste Armand après plusieurs semaines d'absence. Si les fans d'Ici tout commence se feront une joie de retrouver le professeur le plus impitoyable de Calvière, ce ne sera malheureusement pas le cas de ses élèves. En effet, c'est dans un contexte bien particulier que le chef pâtissier reviendra dans la célèbre école gastronomique. Depuis plusieurs jours, Jasmine, Zoé Séverin, Anaïs, Julie Sassouste, et Lionel, Lucien Belvès, militent contre la maltraitance animale et enchaînent les actions afin que le double propose 80% de plats non carnés à la carte. Alors que la situation dégénère, Tessier se voit contraint d'écourter son séjour à Rome pour remettre de l'ordre dans son établissement. Comme à son habitude, il réglera évidemment les choses d'une main de fer mais sera malheureusement victime d'une agression qui promet de rythmer les prochains épisodes de la quotidienne à succès de TF1. Bien déterminé à mettre la main sur le coupable, Emmanuel sera aussi particulièrement occupé puisqu'il sera bientôt au cœur d'une grosse intrigue. Et selon Benjamin Baroche, il y a du lourd à venir. Dans une interview accordée à nos confrères de Télé Loisirs, le comédien a déclaré « Une grosse intrigue se profile pour mon personnage, entre autres, et sur sa famille. On ne va pas tarder à commencer à tourner ça. » Même si Benjamin Baroche n'en a pas dit davantage sur ce qui attendait son personnage et le clan Tessier dans la suite d'Ici tout commence, cette nouvelle arche devrait débuter sur nos écrans dans le courant du printemps. De quoi annoncer des épisodes à ne surtout pas manquer. Lors de cet entretien, Benjamin Baroche s'est également exprimé sur la maladie de son personnage atteint d'une sclérose en plaques. La maladie de Tessier est tout le temps là, même si elle est moins présente en ce moment. Il faut savoir que cette maladie réagit beaucoup aux émotions aussi. Donc, quand il va monter en émotion assez fortement dans les semaines qui viennent, je pense qu'on va avoir un retour de sa maladie. Point est de préciser, il va se passer des choses fortes. En attendant de découvrir ce que nous réserve cette arche, Tessier reprend du service dès ce soir plus acerbe que jamais. The man I love just has